Fondation, président conseil d'administration Fondation J'éclairé. Merci, c'est parce qu'on s'est avec nous, Maître et Madistin. D'abord, on revient sur le premier dossier. Je ne vous dis à là, le 28 août qui se passe, il y a assassiné, bâtonnier l'ordre des avocats et Port-au-Prince. Ça font tollé, pas seulement en Haïti, mais dans le monde. Presque en pile pays réagit, en pile bâton à travers le monde entier réagit pour dénoncer ça qui passe. Ça t'est vraiment défrayé la chronique et en Haïti et à l'étranger. Côté de nous, dans le dossier, il y a arrêté trois mouns, c'est ça pas qu'il dit à Journal de Nouvelles, il y a arrêté trois mouns, sur une moun, il y a joué un téléphone et mettre mon ferrier d'Orval. Et on en est là. Il y a d'autres mouns, il y a supposé tendre, mais c'est l'année, je ne le dis pas, le 28 août à Journal de Jodia. Comment vous avancez dans le dossier, ça, M. Mazistin? Ah, mais très bien. Bon. Les gagnants ont infraction qui commettent tant qu'on. Sacrifié l'âme, assassinat crapuleux de bâtonnier Montferrier d'Orval, il y a un cheminement que le dossier a supposé prendre. Il y a des étapes pour le suivre dans le système pénal. Premier niveau, c'est le niveau des investigations policières. Donc, la police vini, la police scientifique vini, il prend des éléments, il a fait des analyses, il a relevé des indices matériels. Et à partir des indices matériels, il a cherché et commencé à garder qui monde qui est capable de gagner pour rouer. Et d'une façon ou d'une autre, hein, soit tu es capable de gagner information, soit tu es capable d'impliquer, concerner, donc à ce niveau, on suspecte. Des gens qui étaient capables, des suspects qui étaient capables de participer dans la là, et la police a fait interpellation, il a pris les mondes, etc. Mais l'action publique n'est pas encore mise en mouvement. Hein. Okay. On est au stade des investigations policières. Après ce stade, ça, donc, a gagné des investigations. Contemporanéité là-dedans? En réalité, on a dit oui et non. Oui, dans le sens que, une fois qu'on commence à arrêter les gens, constitution, ben, on délai pour déférer les gens. Ben, le commissaire gouvernement, qui lui-même, capable de demander de continuer l'investigation. Donc, il a un mandat pour continuer. Et là, ça, il n'y a pas agi sous ordre, le commissaire gouvernement. Il a recueilli l'information. Oui? Donc, je pense que ça a fait déjà tout. Que le commissaire gouvernement, ben, je pense que c'est un acquis. Ben, yo, ordre pour yo continuer l'investigation. Léo Finouéke, il y a ensemble d'éléments. Et puisque vous êtes dans la période de flagrance, les crimes ont été faits là, il y a une possibilité que si vous êtes jeune monde, vous êtes arrêté, vous êtes interpellé, etc. Léo Fin ramasse toute information, ça, yo, si vous êtes jeune monde, il y a transféré dans le parquet. Les informations, les documents, et les gens qui ont soupçonné qui sont capables d'implication dans le crime. Donc les suspects, les documents, si vous faites des saisies, si vous joignez des t'as qu'on a cas ça, vous joignez téléphone, mettre là, SIM card, etc. qui c'est des éléments, des indices matériels. Comment on est capable de faire mourir, assassiner la Kaili, et puis voilà que le téléphone lui, non mais on n'est pas chou. Sim Kadi, ouais, c'est des indices très puissants, ça. Ouais. Donc, il apprend tout indice ça, tout le monde joigne, et puis il est capable de rédiger des procès verbaux, il a auditionné le monde, il a fait des perquisitions, il a la Kaili, il a fait des saisies des bagailles qui joignent, il a mis sous scellé et il a transféré par le commissaire gouvernement. Une fois que vous transférez, la phase d'investigation policière, ça a censé finir. Et le commissaire gouvernement, lui-même, il va mettre l'action publique en mouvement à ce moment-là. Il va déclencher l'action publique. Comment l'a déclenché? Dans le cas sanouye, dans le cas criminel, il a saisi le cabinet d'instruction par un réquisitoire d'informer. Donc son réquisitoire déclenche l'action publique. C'est là ça qu'on a dit, l'action publique est mise en mouvement. Ok. Vous comprenez? Donc, dans la phase, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la première étape là. Dans la première phase là. Nous sommes dans la phase des investigations policières.
côté la police attend des monde, la audition des monde, la dresser procès verbal, la faire des saisies, la arrêter monde, la faire des investigations. Mais c'est monter dossier. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. La, allons dire que la rassembler éléments. OK. OK. La rassembler tout élément qui capable clarifier puis devant dossier. Mais pour empêcher la fuite ou pour empêcher monde sauver tout le monde qui le joigne qui des bagages importants pour t'a dit que nécessaire quelqu'un veut la commencer quelqu'un veut. Il met main sur eux. Ouais. Mais il pour prévenir pour de rien non? Parce que il faut mettre l'action publique en mouvement contre eux. Donc c'est là nous le dire nous la première phase. Ça veut dire dans phase ça pourquoi capable bien est-ce capable bien accusé dans phase là? Non non. Une fois on a suspect là, dans phase ça on a suspect. Une fois que l'action publique est déclenchée ou qu'on y a vini, gen prévenu. Il y a des monde qui prévenu de infraction. Que soit dans rapport policier, soit dans réquisitoire commissaire gouvernement, il a commencé à indiquer de monde qui pensait qui est capable de concerner par infraction ça. Nous avons été prévenus. Quand on s'est rentré dans le cabinet d'instruction, on a été inculpé. Okay. Et c'est des inculpés au cabinet d'instruction. Il y a accusé, si vous voyez au juge, il y a une ordonnance contre vous, soit vous pas fait appel de l'ordonnance, délai au fin passé, soit vous fait appel, vous maintenu l'ordonnance en appel ou en cassation, vous parlez pour aller juger, commissaire gouvernement, le SAA, il rédige un acte d'accusation pour vous paraître devant le tribunal criminel. À ce moment-là, il a cessé d'être inculpé, il vient accusé. C'est l'acte d'accusation qui accuse. Donc, sous base instruction qui fait là, l'acte d'accusation est rédigé pour vous comparaître par devant le tribunal criminel parce qu'il a accusé de ce qui a été fait tel crime. Laissez-le bien accusé. Okay. Et s'il est jugé, il a condamné, il a reconnu le crime, il vient condamné. Donc, on a suspect, on a prévenu, inculpé, accusé, condamné. Évidemment, jusqu'à la condamnation, le terme suspect est un peu générique jusqu'à l'accusation, la condamnation, par respect du principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'on c'est suspect, les suspects, les pas qu'on condamné, les pas qu'on responsable criminel, tant que tribunal, pas condamné. Mais, approche là, très pédagogique. Oui. Mais maintenant, plus passé environ 15 jours depuis ça arrivé, la dossier a eu l'impression gagner. Bon, c'est vrai que il y a des mouvements qui ont fait pour que le dossier a envie, par exemple, étudiants et douayo qui toujours manifesté. Bon, Bawa a fait marche tout avec toi, j'ai tout professeur et tout avocat avec toi sur. Est-ce que vous avez l'impression que le dossier a traîné, maintenant, Zistin? Non. Non. Je n'ai pas l'impression ça du tout. J'ai l'impression ça, mais il y a pile bagaille qui a passé qui est normal. D'abord, des exemples. Par exemple, il y a des gens qui montrent qu'ils sont impatients. C'est comme si ça fait 15 jours et pourquoi gagner une clarification pour voir côté comme ça. Oui, je dis qui est-ce qui tue maintenant? Il y a pour gagner des indications très claires. Mais le bonheur dans 15 jours, pour te quitter ça. Mais pour que ça ait une réaction, ça, c'est parce que, un, il y a un climat de méfiance vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice. Par exemple, dans le DCPJA, des fois qu'on a des enquêtes qui sont faites, des procès verbales rédigés, des bagages saisis, les ouvriers dans le tribunal, autant de disparaître. De DCPJA, parquet, à cabinet d'instruction, procès verbales rédigés, disparaître. Zamses, ils disparaissent. Donc, dans le passé, ils connaissent ça, dans d'autres dossiers. Et pour les gens, ou après, un pile avocat, dans le Port-au-Prince, ça montrait que ils pas anti gens, ils croient dans ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils connaissent des bagages qu'ils ont fait, qui ont un genre de rôle. Dans le cadre de dossiers criminels. Donc, ça fait que les gens n'ont pas confiance. Notre travail qu'a fait. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, on moun kon d'Oval,
pour ça l'été représenté, c'est-à-dire son personnalité respectable. Ou pas même imaginer comment on a envisagé faire Dorval mal, parce que Dorval, c'est un nègre qui était sous pas de connaître, pour le monde qui connaît, c'est un nègre qui est extrêmement tolérant. C'est-à-dire que son nègre qui respecte l'opinion de l'autre monde, qui croit dans le débat contradictoire, qui remet discussion. Et ce n'est pas un nègre qui est méchant, ce n'est pas un nègre qui est violent, ce n'est pas un nègre qui a un discours haineux. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on est Condorval, qu'on a une telle animosité contre lui. Donc, l'aile s'est arrivée, en pile monde surpris, étonné, et ouvré, choqué. Et vous avez vu le résultat rapide. Rapide, tout de suite. Oui, ça explique ça. Mon pas capable, à mon avis, j'ai un résultat en enquête criminelle dans 15 jours. On l'a côté qui est subjectif. Comment nous-mêmes, au niveau de Fondation J'éclairé, nous comprenons l'assassinat du professeur Dorval? Nous-mêmes. D'abord, nous choquons. Nous choquons parce que, sur le plan personnel, moi-même, Dorval sont amis. Son monde que nous toujours parlons avec lui, nous toujours gagnons de francs parler, nous toujours discuter. Nous aimons même discuter. Même là, nous pas toujours d'accord. Ouais. Donc, l'en apprend assassinat. Professeur Dorval nous choque. Ouais. Et nous, t'as remis qu'on est. Ça cache des bails, ça. Quel est le mobile? Pour qui ça? Dans la fondation, nous intéressés à prendre la vérité. D'abord, qui ça, qui monde qui a voué font bagaille comme ça? Pour qui ça? Qui monde qui servit d'intermédiaire entre monde qui veut le crime et monde qui a l'exécuté? On t'a remis comme ça. Qui monde qui a le sous les lieux, qui a fait exécution? Nous t'arrêtons comme ça. Donc, c'est un crime qui interpelle nous. Est-ce qu'il n'y a pas des bagages qui paraissent drôles pour nous, façon professeur a assassiné? Il rapporté, non, je ne l'ai pas même rapporté, c'est on chez mettre la loi qui dit ça sur Magic 9. Non, soit il n'y a pas assassiné le 28 là, tu as gagné feu d'artifice dans la zone là, tu as gagné blackout dans la zone là, et c'est dans la zone président de la République là, et puis le recette côté président de la République là arrêté. En plus de ça, scène de crime là, la police de surveiller, elle n'est pas surveillée, elle vient cambrioler Kaila. Tout ça peut paraître aussi casse bizarre pour nous. Oui, nous relever un pile d'éléments troublants. Des éléments troublants dans l'assassinat. Éléments troublants d'abord, qui est plus important, il y a un qui est moins important que d'autres. Mais ça qui est important, c'est que Dorval vivait dans le quartier résidentiel du président de la République. Un monde qui vit dans le quartier présidentiel, quartier ça supposé hautement sécurisé. Hautement sécurisé veut dire que ça. Ce n'est pas seulement gagner police en uniforme qui fait patrouille visible que tout le monde voit, non? Supposé qu'il y a des monde qui undercover, qui là où est maintenant, sous galerie là, Kaili, où est maintenant dans la rue, la marché. Et pourtant, c'est des monde qui n'a sécurité président. Qui là pour garantir que l'espace ça sécurisé. Donc, nous étonnés nous-mêmes, un, nous disons que backup qui était là pour la sécurité n'a pas là dans le moment ça. Même s'il n'a pas là. Quand nous avons un undercover, 24 heures sur 24 fois, 4 tiers sous contrôle policier. 24 heures sur 24. Comment nous avons fait Vini? Nous avons fait ça. Léo fin fait y aller. Personne ne va interpeller. Yo. Yo fini et puis y aller. Et puis y aller. Personne ne va ouais. Personne ne va interpeller. Personne ne va ouais. Si son machine, qui plaque machine là, si ton motocyclette, combien de monde y a, c'est des éléments qui vous révéler immédiatement. Parce que supposé que les gens qui ont contrôlé le quartier et qui sont capables de jouer un élément ça. Ou une fois que la police scientifique arrive sur les lieux, pour te bailler bien vite,
non, très rapidement pour te gagner des indices qui menaient vers l'assassin immédiatement. Rapidement, très rapidement. Vers suspects. Nous voyons ça, nous trouvons ça troublant. Nous disons troublant, pour qui ça? Ça sera bien dit. Ça sera bien dit, un, ou bien sécurité quartier pas aussi bien assurée que les gens nous pensaient, ou bien capable de gagner en complicité des gens qui là pour faire sécurité quartier dans ce qui fait là. Ouais, il y a deux hypothèses. Que enquête criminelle là fait auquel cas, fait auquel cas, si tu as une complicité, ça te remonter jusqu'à président de la République là? Ça va remonter n'importe côté. Pas nécessairement président. Rien n'empêche. Pour autant. Mais on a un pouvoir politique ou des gens qui ont un pouvoir qui va être des libertés, qui ont fait des actions qui ont échappé au contrôle du président de la République. Pour nous être très honnêtes, ça arrive tout. Okay. Vous comprenez? Nous n'avons pas accusé sans éléments matériels. Ouais. Mais nous avons relevé des éléments troublants, des éléments suspects, des éléments qui méritaient clarifier. Que enquête criminelle faite pour venir révéler. Non, parlons nous avec mon frère Dorval, parce que son proche. Il était tout de une ambition politique. Non, jamais. Jamais. Non seulement, qui t'aime dire, Dorval, c'était un professionnel respectable, mais indépendant. Son œil qui était quoi en pile dans l'indépendance. Malbord, deux éléments qui ont caractérisé Sam Doula, sou, n'est qui jaloux de son indépendance. Mais c'était toujours quoi ça, ouais? Bon, deux éléments. Moi, songé, il y a quelques années de cela, moi, gagné un consultant américain, une consultante, une dame qui est rentrée en Haïti, et puis il dit, moi, il y a des informations de moi, il y a un travail, il vient de faire le tableau, et si nous avons fait l'ensemble, la fait 15 jours ici, nous fait contrat, nous fait accord. Ça l'a fait, l'a préparé un document pour la réforme de la justice en Haïti. Parce que au courant, les grandes organisations aux États-Unis, le gouvernement américain va le mettre en cobre à gouvernement haïtien, pour le prendre la décision, pour réformer la justice en Haïti. Et il va demander des organisations pour bider, pour venir contribuer à la mise en place du programme. Donc, organisation par là, à bider, les besoins comprendre le système judiciaire, travailler sur lui. Et, vers 15 jours, après faire travailler ça avec elle. Nous préparons un document pour la réforme de la justice en Haïti. Elle a fini le programme, non? Et le rapport. Et puis, il dit, mais pas le système à travailler. Si c'est nous passer, si c'est organisation par là, Jean, gouvernement américain travaille, elle a fait type d'activité, ça a même participé dans plusieurs déjà, en Afrique, dans le pays, Europe de l'Est, comme ça. Premier, ça a fait, il n'y a pas pris un national ou diriger pour exécuter le programme, il prend un étranger. Mais il a toujours pris un national pour assister. Moins ouais qu'on est capable de jouer un rôle ça. Est-ce que tu as voulu pour mettre non? Parce qu'il faut me faire des suggestions de monde que je connais, que je rencontre, que je suis capable de gérer le programme. Je me dis comment condition à pied. Les 10 conditions, mon étranger a touché aux alentours de 15 000 $ américains par mois. National, là, 12 000, 10 à 12 000. Je me dis, oui, mais avec ça, là, ça. Et combien de temps il a demandé pour me travailler, pas au jour. Il dit, non, 8 à 4. Il me dit, oh, comment faire dans le cabinet? Comment faire? Il dit, non, pas dans le cabinet encore. Il dit, pour un programme, ça, il faut mettre tête honnête à programme. Il me dit, oh, pas capable. Après 4 ans, les pommes viennent retourner. Déconnecter. Dans le tribunal, déconnecter. Les deux pas pour retourner. Lorsqu'il y a un programme, ça, yo, si le programme ne va continuer en Haïti, il va continuer dans l'autre pays. Ou pas dans l'autre pays. Laissez-moi quand même être responsable du programme pour nous dans l'autre pays ou qu'il vient numéro 1. Il dit, ah non, je vais faire mon cabinet. Il dit, bon, qui monde ou est ou pensez que tu as géré ça sous pas ta vie? Il dit, mon ferrier, Dorval. Il dit, est-ce que je vais rencontrer? Je préférais parler de ça avant et puis je vais rencontrer après. Je me réveille Dorval. Il me dit moi besoin. Il dit que je suis dans le cabinet de Manuel. Le Manuel,
m'explique mais pas dit lui proposer non dit lui il m'a demandé un monde me proposer qui ça le passé de ça c'est du magistère m'a intéressé il dit on va chiffre ça les 15 000 dollars on va le chiffre là il s'est dit on pas faire mes cabinets pour rien au monde c'est garanti indépendance monsieur dit même si me pas fait comme ça dans cabinet là mais ma fille puis à l'aise bien indépendant libre il va même rencontrer dame là il dit c'est cabinet c'est garanti indépendance moi pas besoin aucun job pour, non il faut faire mes cabinets premier exemple deuxième exemple 15 jours par exemple à me passer à peu près avant de valmo monsieur le monsieur dit ma distem relo pour une bonne consultation dans mer monsieur dit moi l'aime fini lui bâtonnier il y a des mon dans binu qui invité moi aller me rencontrer yo yo parle avec moi de ça me gain vision me gain pour batona et cetera il après yo vinn côté moi yo demandé si m'accepter président un comité qui pour rédiger une nouvelle constitution pour Haïti moi dit non moi dit au travail moi comme bâtonnier fait me fait pour au-dessus de la mêlée pas besoin aucune activité qui pour faire une suspicion sous indépendance moi dans travail moi comme bâtonnier laisse ça dit moi qui moun moi ouais moi bah au non t'as coulé en Saint-Louis t'as coulé Claude Moïse il a rencontré mon yo après au fin faire mon yo dit rentrer yo tourner côté moi yo dit moi tout mon yo parlé yo dit c'est Doval qui a fait bail ça yo dit non fait consensus yo tourner côté yo pas ouais en qui ça yo moi comme bâtonnier qui empêché que me présider un comité pour rédiger une constitution pour Haïti. Le samedi, j'ai mis un temps de réflexion. J'ai demandé un temps de réflexion pour me consulter des gens sur est-ce qu'il n'y a pas de problème entre le comité ça et travail moi comme bâtonnier. Ou c'est le premier monde, moi René, j'ai mis une opinion sur ça. Sorte de dire. Le samedi, monsieur, va donner ma petite parole. Je ne sais pas moi-même, c'est job ou comme bâtonnier qui a empêché au fond travail pour ça. Je pense que c'est contexte-là qui n'est pas favorable. Je dis, vous avez le meilleur texte constitutionnel au monde. Il n'est pas applicable. Si texte-là pas bénéficier d'une légitimité populaire. Et que en Haïti, les projets de réforme constitutionnelle toujours aboutissent à des troubles politiques. Si pas un consensus politique qui portait projet, quelle que soit la qualité texte là, il n'est pas capable applicable. De mon point de vue, un Jovenel Moïse pas capable porter un projet de réforme constitutionnelle, son président qui n'a pas gain pouvoir de convocation, qui n'a pas gain légitimité populaire, il a pral soupçonné que monsieur besoin utiliser projet ça pour groupe politique, li pour affaire personnelle. Il dit on moun tan ou pas capable de rentrer nos projets comme ça. Même si c'est blanc mandou projet à finalité il faut la faire le gouvernement. Donc professeur Noval peut accepter et monter dans cette commission. Non, cependant, attends, ça. Allez-y. Et puis il dit mon cher c'est pour sabrer l'eau parce que me connaît au-delà des questions techniques ou sont politiques, des sensibilités qu'on maîtrise que pas maîtrise. Monsieur dit moi, on va le rencontrer, on va le parler à l'autre monde qui me dégaine dans tête moi avant de prendre une décision. Avant de prendre décision, n'a pas parlé encore. Et nous pas parlé de ça, nous parlé de notre parole, mais nous pas parlé de ça encore avant de mourir, ça fait quoi? Il pas accepté prendre tête. Qu'il pas accepté prendre tête
et commission. Mm-hmm. Mais ça me dépêche d'attirer l'attention sur lui, c'est lié avec le premier ferme débat, mm-hmm. c'est aspect indépendance. Là. Combien il est jaloux de son indépendance. Cependant, écoutez-moi avec ce que dit là, M. Majesté. Nous, ouais, professeur Noval, qui était parlé ensemble avec un enfant, nous dit mourir malheureusement. Il soulignait lui-même position parle, c'est on l'autre constitution avec ou sans Jovenel Moïse. On l'autre constitution sans le Parlement. On l'autre constitution avant les élections. C'était sa position. Comptez-moi oui. avec vous-même qui croyez que Jovenel Moïse pas à doué enclencher le processus de changer de constitution. Faut surtout pas de problème pour que c'est Jovenel Moïse mm-hmm. l'idée changer. Il n'y a pas de problème tout si c'est tout sous transition. Oui, oui. Est-ce qu'en pile dans nous au niveau de Barouac pas partager position et pour Sodoval pour qu'elle t'aille dans le changement de constitution avec Jovenel Moïse dans notre pays? Ça va vous dire qu'elle t'apprend à aller prendre responsabilité rédiger lui-même. Pas dit ça là. Non. Le fait qu'elle dit avec ou sans, moi dis ça. Si elle a passé un bon fait. Oui. Qui fait que l'international, les responsables de la BINU, du BINU, ils viennent côté, ils ont hésitation que le dégain, ouais, pour le prendre tête. Ça va empêcher qu'elle ait opinion. Vous comprenez? Sous à quel moment, hein, et nous discuter de ça. Bah, l'opinion sur ça, sous question moment. Mais ça, pour le comprendre, premièrement, deuxièmement, le barreau de Port-au-Prince, ça fait des fois, nous connaissons des divergences, des discussions même, avec des avocats, qui voulaient pousser le conseil de l'ordre des avocats à se positionner contre le pouvoir. D'où je dis oh non, même les mêmes dans l'opposition, les barreaux dans l'opposition n'ont aucun pouvoir. Parce que le barreau est apolitique. Le barreau est traversé par tous les courants idéologiques. Ni dans l'opposition, ni proche. Ni proche. Tous les courants politiques. Barreau a fait pour toujours au-dessus de la mêlée. Barreau a pas pour la pour a fait agitation politique. Toujours prend position contre ça. Ouais. Et les gens qui ont un conseil qui voulait faire ça, toujours dit non, attirer attention qu'ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Nous allons quitter le dossier ça avec une question. Dis-vous que question ça yo pas discuter dans barreau. Okay. Les questions à caractère politique, chaque avocat a une opinion. Je n'ai pas besoin, par exemple, conseil de l'ordre, réuni en conseil ou bien réuni en assemblée pour dire tel problème politique là, quelle est la position de l'assemblée de l'ordre des avocats du peuple. Pas que ça. Okay. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Nous parlons dans deuxième dossier, nous, qui c'est la Cour des comptes. Où ambition Vin Bâtonnier? Non, je ne vais jamais intéresser Vin Bâtonnier, en tout cas jusqu'à présent, pour une raison bien simple. Être bâtonnier, c'est un pire sacrifice qu'un avocat a fait. Pour qui ça? Parce que moi, je m'accepte, j'en viens même conseil. Toutefois, il faut que je conseille ou invité. Moi, j'en même conseil. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on entre dans le conseil, lorsqu'on vient bâtonnier, ou a une disponibilité à toute épreuve pour gagner pour les avocats, pour la corporation, ça a une influence immédiate sur le cabinet, sur la clientèle. On est qui rentre, qui vient bâtonnier, clientèle diminue. Activité comme avocat diminue. Or, comme son avocat qui a un cabinet qui a marché tellement bien, on bon clientèle, si je rentre dans le conseil, je diminue clientèle moins. Je ne vais pas entendre faire ça. Okay. Pour bien, je vais entendre faire ça. Ok. On va dans l'autre dossier, M. Madistin, la Cour des comptes. Président, pendant plusieurs fois, lui parler de la Cour des comptes et Jean la Cour des comptes a fonctionné, lui présenter la Cour des comptes comme un instrument de blocage. Ben là, il y a un cas plus grave lorsque, dans 6 septembre, dans l'activité de dialogue communautaire, lui-même avec le président Jovenel Moïse, avec le ministre PTCA, il a carrément attaqué. Quoi? Attaqué la Cour. Lorsque nous sommes représentés comme un élément de blocage, et ministre PTC, ministre Joséus Tréteau de méchanceté, ignorance, et bon, l'autre mot encore, l'était utilisé qui échappait de Jean Koula et a fonctionné, et Koula lui répond. Comment comprendre le clash ça entre Cour des comptes et Palais National? Je comprends. Il n'est pas difficile pour comprendre, non? Le problème, c'est que pour un pouvoir qui est en fin de règne et qui par pas résultat, on a tout le temps là. Quand il y a une situation, côté mandat pour le finir,
les besoins marqués, pas ça, les besoins des résultats. Voilà quels sont boulevards, pas un parlement, il n'y a pas aucune institution de contrôle, les besoins, ça le fait très vite. Et sans obstacle, et sans souci de bien faire. Sans souci de bien faire. Donc c'est période dangereuse et tout, période côté, quand pile l'argent dépensé mal, période gagote. Lorsqu'on institution comme Cour des comptes, et qui qu'on y a demandé, respecter les règles, respectons les normes. Par exemple, regardez notre Cour des comptes là, bah, c'est terrible. Qu'il a critiqué quoi pour un projet qu'il ne voulait pas laisser passer, et puis document pour arriver dans quoi. C'est pas possible. Ministre, comme dit ça, ministère public là, il pas vérifier qu'il voit le dossier déjà. Le président aussi. Oui, président d'où, il pas vérifier que le dossier a déjà dans quoi, non? Le dossier pour arriver, non? Et puis il a critiqué. Ouais, ça montrait que bon légèreté. Ce sont des gens qui sont graves au plus haut niveau de l'État. Au plus haut niveau de l'État. Et qu'on y a, et c'est Mounzaïo qui n'est pas d'accord que Gagnon, Moun qui a demandé, on fait bailler la pibe. Et c'est ça clash là. Et c'est tant mieux que ou quand même des Mounjo dit à Nankoua qui est capable d'accepter, dit non, ça ne va pas faire comme ça. En politique, recul par rapport à position pour en tant que leader politique ou Moun qui est en opposition. Est-ce que dans la formation pour la Cour des comptes, 10 juges qui étaient nommés par des sénateurs, est-ce que c'était bon de la durée, au-delà même du travail technique qu'il a fait qui pour protéger l'investissement et qu'il a fait dans le pays, il a contrôlé, est-ce que COP capable dans le contrat, est-ce qu'il a bien utilisé, est-ce que le contrat a bien passé, au-delà de ça, est-ce que pas capable de gagner effectivement des juges qui étaient nommés par des sénateurs, qui viennent des courants politiques, etc., qui t'avaient bloqué des programmes, des projets qui sont capables de mettre le président en lumière? Est-ce que ça va exister? Est-ce que ça n'est pas capable d'exister? Je ne sais pas si ça existait. Même pas que j'aime dire l'impossible. Que le pata a existé. Non, le cas existé. Mais ça m'oué, sous base, ça a rédigé, même s'il t'a existé. C'est technique à fait là. Il y a des faits objectifs qui justifient ça, il y a pas un sentiment dans sa croix. Quitte c'est un fameux contrat pour faire la centrale électrique. Ça, il ça, le président n'a pas bien digéré du tout. Il y a des éléments. Il justifie techniquement. Il y a des faits objectifs, des faits qui montraient techniquement que monsieur dans l'exécutif, il n'a pas bien fait le job. Yo. Donc, je ne sais pas question subjective qu'on pose. Est-ce qu'il y a des gens qui t'a voulu bloquer? Je ne sais pas. Comprenez? D'autant que, pour bien comprendre. En fait, c'est une hypothèse. Est-ce que oui, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse d'âme réagir. Je dis que l'hypothèse d'âme dit un, il n'est pas impossible, okay. Mais ce n'est pas un fait que justifier. Je ne sais pas pourquoi ça. Parce que fait que vous avez il a justifié qu'il n'y a pas de cabaye à vie favorable. On vient de plus gros point dans le dossier ça, et pour des comptes là. Oui. C'est un décret 23 novembre 2005 qui te mettait pour des comptes. Malgré le président dit... Non, c'est celui-là qui fonctionnait là. D'accord. C'est celui-là qui fonctionnait là. Oui, oui. Malgré le président dit 17 mai 2005, là encore, il a corrigé le président. Il a dit le président, par contre, ça n'a pas parlé. Oui. C'est 23 novembre 2005. Oui. Est-ce que le fait que c'est un décret et qu'il a fonctionné là sous lui, président pas capable pour l'autre décret pour qu'elle fasse ça, elle veut faire. Très bien, ok. Bon. C'est un dilemme que nous avons un pays. Oui. En pile, norme qu'il a pour réglementer la lutte contre la corruption en Haïti, c'est décret. Oui. C'est décret. Oui. Ça lié, par exemple, ça lié à deux bagailles. Premièrement, en pile dans le texte, yo vini à partir de bailleurs de fonds étrangers qui ont fait pression sur l'État pour mettre des normes qui pour garantir la bonne gouvernance. Et comme bien souvent, il y a des situations qui font que le Parlement n'est pas efficace, il y a des bagailles qui font que le Parlement généralement pas efficace, c'est la Constitution elle-même, qui met par exemple une disposition qui dit toute loi doit être votée article par article. Alors, attends, ou pour nous, l'autre constitution, oui, bah oui. On te digression tout de suite pour nous retourner. Non, pas tout de suite, non. Mais soit pas répondre, mais c'est une question pas tout de suite du tout. Non, question c'est pour la constitution ou pas pour la constitution. Non, non, il n'est pas simple.
Mais ok. On quitte les et on continue sur ça parce que pas prêter de tout ça. On continue sur ça. Constitution dit que toute loi doit être votée à tripartite. Par exemple, c'est un bon pays comme la France. C'est dans la loi organique qui a été estimé combien de types de vote gens de gens au Parlement qui a voté. Par exemple, il y a un autre type de vote, c'est le vote bloqué. On n'a pas le gouvernement qui a venu là à une loi qui fait 1000 articles. Et puis il dit Parlement, je réclame le vote bloqué. Le vote bloqué, a, ou bien on adopte tout, ça manque en virgule, ou bien on rejette tout en bloc. Rejeter en bloc ou adopter en bloc. Donc en 30 minutes, le Parlement peut adopter une loi de 1000 articles. Les amis, vous... Yeah. En Haïti, impossible. Ça veut dire pas que dans le même lieu, même, non? Non. Les votes là, on va prendre l'île au moment du vote. Ah, et donc il m'a été soumis. Oui, tout, 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 tout. Okay, okay, okay. Mais en Haïti, même, on fait tout ça. Il faut que donc il m'a voté article par article dans les deux chambres. On dit article 1, lecture. Ça a tellement mangé de temps, mise en, d'énergie. Etc. Donc ce qui fait, en termes de production législative, cet article pose problème. Mais maintenant, ça, dit là, tout, M. Magistin, bon problème de capacité intellectuelle dans le tout. On parle mal à l'étranger, le bon cabinet, il y a des spécialistes, tout ça le besoin, au cabinet parlementaire. Il y a des gens qui ont réfléchi pour lui, ils ont briefé sur tel bagage. Au non moment, ils ont cogité ce bagage-là, au non moment, ils ont en fait maîtriser ce bagage-là. Et c'est là, et parlementaire, et monde qui dans l'entourage, comme ça n'a pas besoin de façon quel monde. Nous, en réalité, il y a des problèmes techniques. On va dire tout le monde, mais il y a des problèmes techniques. Mais nous connaissons. Mais ce n'est pas. En principe, avec le temps, tout va essayer bien pour corriger. Mais ce n'est pas le seul blocage, ce n'est pas le seul problème. Ouais, bien ça. Donc, en matière de production législative, tout, dans tous les pays, même les pays les plus avancés démocratiquement, à 90-95% des cas, c'est des propositions de lois. C'est l'exécutif qui prépare les lois. Les parlementaires votent, mais ne préparent pas. Contrairement à ça, le monde a dit, un candidat, mais t'as le droit d'avoir les mêmes. Non, ce n'est pas le rôle du parlementaire de proposer des lois. Son rôle, c'est de voter. Donc, c'est le gouvernement qui a un programme gouvernemental. Pour qu'on s'entre dans le bilan parlementaire, combien de lois ont voté? Oui, il n'y a pas connaître. Oui, il n'y a pas connaître. Il faut que les journalistes ne pas autour. Oui. Mais avec le temps, il y a bien maîtrisé ça. Donc, ce qui fait, c'est que le gouvernement, qui a un programme gouvernemental, pour l'implémenter, il y a un programme législatif. Il y a un sénateur de la République. Il y a un problème dans la zone Saint-Michel de l'Atalaye. Pour un cadre d'identité, il était passé de 20 gouttes à soit 200 gouttes, ou de 200 ou 250 gouttes. Et puis, bataille, manifestation, boule. Comme sénateur, dans la zone, je mal mettre la paix. Et puis, les rivé. Depuis, généralement, depuis la population, ouais, parlementaire, bah, il dit, on va voter loi. Et puis, ils font une grosse réunion dans la ville-là. Et puis, il y a des gens qui commencent à prendre la parole, qui ont critiqué le Parlement, parce qu'ils ne vont pas voter loi. Etc. Et puis, il me dit, bon, nous ne pas voter loi. Nous, le Parlement, on va voter loi. Nous faisons tout ça dans fait dans Saint-Michel-là. Là. Qui fait me déplacer, Mille-là? Est-ce qu'on connaît que c'est quand on loi dans manifester là? Est-ce qu'on connaît ce Parlement qui vote loi? Qui fait candidatité à passer de 20 gouttes à 250 gouttes. Parlement va voter loi pour nous, mais voter loi pour le système de marché. Il faut voter, pas quoi ça? Parce que pour voter budget, il faut voter les lois sur les ressources. Tout à fait, tout à fait. Mais je reviens sur la question. Oui. Est-ce que le président a un droit pour qu'il y intervenu dans le décret 23 novembre 2005 pour le modifier, pour alléger la procédure de contrôle et pour les comptes? Non, attends, moi. Non. Il n'y a pas qu'à dire la modifier. Parce que gon article qui est sorti contre lui. Pas qu'à dire ça. Non. Normalement, pas qu'à dire ça. Règle là, il est préétabli. Vous estimez que pour ce jour, c'est lourd. Oui, ça qui arrive tout. Et pour ce jour, ça qui arrive. Ça qui arrive que vous demandez à l'échec. Ça qui arrive que nous avons besoin de modifier. Tous les problèmes, la question du motif pour lequel la modifier. Si m'a modifié parce que m'a pas fait de moins, m'a besoin mon accepter parce que m'a pas fait de moins, c'est pas bon. Mais si vous venez, j'en cours à faire avec des bagages objectifs qui montrent que gain des bagages, t'as mal bon exemple, qui t'a mérité modifier, qui t'a mérité changer, ça arrive pour qu'à changer.
Mais c'est des bagages analyses qui fait, des réflexions qui fait, qu'on a modifié dans le sens pour améliorer travail institution. Il ne peut pas le modifier, en d'autres termes, mais il ne peut pas le modifier et décréer, puis il est capable de mettre au niveau de manque de rigueur au gouvernement, il n'y a pas de capacité pour bien ficeler et bouger, il ne peut pas le faire. C'est pas ça, il n'y a pas de droit à faire ça. Okay. Mais il même le pas aller, dans ce sens, il ne peut pas aller, mais il n'y a pas de droit à ça. Il n'y a pas de droit à faire ça. Ça mais quand on dit qu'il n'y a pas de droit à faire ça, il ne faut nous pas dire tout que si ta vie, ta gagne, ta relevé de normes qui méritent modifier, que ou pas qu'à modifier, pas dit ça tout. Ok. Maintenant, est-ce que, et dernière question pour nous aller dans Petro-Caribe, malgré moi, les numéros qui sont allumés, est-ce que là, pas gagne une velléité de la part du président Jovenel Moïse, après le film, neutralisé et disparaître de Parlement, si vous êtes capable de dire ça comme ça, les contrôler par exemple avec des directeurs des conseils AI, notre banque centrale, police nationale la AI, et l'armée AI, et ULCC, UCREF, yo réputé comme monde qui proche président. Et est-ce que là, il n'est pas rentré dans velléité pour président neutralisé, un instrument de contrôle important pour le pays qui rete, qui s'écoute des comptes? Moi, c'est ça qui n'a tête. Moi, c'est très grave parce que il voulait faire ça, il vient avec des faits qui démenti par la cour elle-même. C'est-à-dire, mais sa président a dit qui montre que cour a pas travail ou bien cour a bloqué. Et puis ça l'a dit, cour a établi de manière évidente que c'est faux, c'est pas vrai. C'est très grave ça. C'est très très grave. Ouais, son pari était de lui entraîner des démissions au niveau de l'exécutif. C'est fait pour des changements au niveau de l'exécutif. Comment ce qu'a fait permettre au président a dit des paroles aussi graves contre une institution indépendante, et puis ça l'a dit, il n'est pas juste, il n'est pas justifié, il n'est pas vérifié. Ouais. Vous comprenez? Donc, et le président lui-même lui dit, les chita sous des bagailles qui faut que le gouvernement, sous des travails que le gouvernement n'a pas fait, ou bien pas fait, qui c'est incompétentio, ignorantio, des bagailles absurdes, et puis il a critiqué quoi? Il dit qu'il a bloqué. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a une volonté réelle pour assujettir quoi, n'est-ce pas, à la volonté de l'exécutif, donc depuis ses pouvoirs, ou pas besoin de garder, pas besoin de garder, donc quitter bah, au passé sans garder. Je vais vous une autre invitation pour Petro-Caribe, mais avant ça, où est, dans l'état actuel des choses, Jean-Michel Damien a demandé, écoute, quoi Petro-Caribe a passé, il y a besoin de gagner, il faut qu'on la retourne, etc., justice, où est ça possible avec Petro-Caribe? Bon. Je ne vais pas aborder des questions en fin d'émission, non. Mais je vous pose une question quand même. Ma bonne réponse quand même. Oui. Je pense pour Petro-Caribéa, est-ce que je crois dans la justice de mon pays? La réponse est absolument oui. Ça va me dire que la justice n'a pas une faiblesse. C'est donc qu'on m'a dit ça. Mais là, autrement, en tant qu'avocat. Oui, mais il y a un avocat qui fait le contraire, vous comprenez? Donc, il y a un avocat dans le cabinet qui a fait discussion sur le dossier justement, Batonia. Et puis, il y a un débat, il me dit, mais monsieur Zandé, c'est avocat. Ou en même temps, on a demandé justice. Moun qui pouvait justice, nous, dans l'investigation policière, en même temps, n'a pas dit que la police a poursuivi l'ordre, non mais pas l'air. Fait... Donc, n'a pas demandé une chose et son contraire en même temps. Ce n'est pas possible. Si nous dit que nous voulons justice, les gens qui sont là pour la justice, c'est pour la justice. Donc, je ne dis pas que nous n'avons pas un regard critique, mais nous ne pas dire que les gens font des choses dire ah, ça c'est rare à faire, ça c'est. Ça, en même temps, on dit que les gens pas justice. C'est méfiant ce que tu as parlé d'ailleurs. Oui, c'est méfiant cela. Mais nous-mêmes, comme avocats, nous comptons méfiance cela là, nous faisons pour nous gommer contre lui, nous faisons pour gommer pour l'institution renforcée, mais de toute manière, si on joue pour Dorval, pour Petro-Caribe, fait justice faite, c'est justice haïtienne pour faire ou non. C'est l'institution haïtienne qui est pour faire. Donc si nous disons nous ne pouvons pas là-dedans, nous ne pouvons pas demander justice en même temps. Vous comprenez? Donc nous-mêmes nous croyons. Est-ce que vous préparez toute barrière pour faire justice là? Nous croyons qu'il y a des faiblesses. Nous croyons qu'il faut améliorer. Nous croyons qu'il y a une absence de volonté réelle. Nous croyons qu'il y a besoin de volonté. Nous croyons qu'il y a besoin de compétences. Nous croyons qu'il y a besoin de sérieux. Nous croyons qu'il y a besoin d'expression populaire. Pour nous permettre d'avancer dans la réflexion, il y a des gens qui disent ni Jovenel Moïse, ni qui n'a pas de légitimité, selon ça, un peu le monde dit, ni une transition qui va venir, qui probablement tout parle des problèmes de légitimité, il y a une
pas capable de faire lumière sur le dossier Petro-Caribé, sinon il y a un gouvernement, il y a un pouvoir qui est élu avec un autre parlement qui est élu qui est capable d'avancer sur le dossier Petro-Caribé. Ça, tu as répondu. Ça, moi-même. Non, je ne dis pas ça. Parce que ce n'est pas le pouvoir politique là qui a fait lumière. C'est la justice. Vous comprenez? C'est mettre la justice. Il y a un décret 23 novembre 2005 qui te mettait coup de compte. Malgré le président dit. Non, c'est celui-là qui fonctionnait là. D'accord. C'est celui-là qui fonctionnait là. Oui, oui. Malgré le président dit 17 mai 2005, là encore, il a corrigé le président. Il a dit le président, par contre, ça n'a pas parlé. Oui. C'est 23 novembre 2005. Oui. Est-ce que le fait que c'est un décret et qu'il a fonctionné là sous lui, le président pas capable pour l'autre décret pour qu'il fasse ça, il veut faire? Très bien, ok. Bon. C'est un dilemme que nous avons un pays. En pile norme qu'il a pour réglementer la lutte contre la corruption en Haïti, c'est décret.